Waouh, c'est bizarre. Hey ! Merde, quoi ! Ah ! Oh, hey. Sam ? Oh non ! Chris, le choix t'appartient. Allô ? Merci ! On a besoin d'aide, s'il vous plaît ! Oh, oh putain ! Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi ? Je comprends pas comment t'es arrivé. Comment tu m'as trouvé ? J'ai un putain de psychopathe ici, dans la montagne. Oui, j'ai remarqué. Évite ton scrum. Réseau de tunnel, j'étais en bas à essayer de sortir, puis il y avait cette grille et je t'ai vu. Aussi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Mike, tu permets ? Oh, oui. Oui, pardon. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi ? C'est... quelqu'un qui pleure. Merde. Oh, merde.
Oh merde, 600 dollars dans le vent. J'espère que ça vaut le coup, j'étais superbe dans ce haut. Voilà, ça c'est cool.
Allez, putain de merde! Bordel de merde!
Josh! Josh. Oh, magnifique. Bravo à tous. Vous m'avez trouvé. Et vous vous en êtes bien sortis. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non, 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 non! Parce qu'elles sont mortes! Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là! C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum boum, boum boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer le marionnettiste de toute cette panique, pas possible. Et tout ce sang? Le sang, c'était un festival. Au cadavre. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non, 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 non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir. Je sais tes matchs, vous avez totalement gobé. Josh, pourquoi tu fais tout ça? Demande même pas à cette espèce de petit con. Il en sait rien. Il est complètement taré. Il faut qu'il reprenne ses médocs. Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. T'es mort. Mike, du calme. Quoi? Sérieux? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des stars sur Internet. Attends, quoi? Oh, ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir. Non, franchement, on a de l'amour à sens unique. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine. Pour compter toutes les vues que vous allez faire. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Hé, les gars! Non, sérieusement, c'est ce débile, vous savez. La ferme! Chris! Mon pote! Je suis plus ton pote. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, pote. Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin. Allez. Enfin quoi, j'ai rien fait du tout. Tu te fous ma gueule? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es. J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain. Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Franchement, tu ferais mieux de la fermer. Chris, hé. Hey, s'il te plaît, mon pote, on est partenaires. Arrête de dire ça. Joue au con! Tu veux voir les choses comme tu veux les voir. Tu es... Ferme-la, femme! Tu es grand! Mike. Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour! Oh, pardon, je t'ai fait mal? Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Dans ce cas, je suis tellement désolé! Arrête! Stop! Mike! Michael, je suis désolé, mec. Tu sais pas à quel point je suis désolé. Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica. Mais je te jure que je sais absolument rien de tout ça. Mais ferme-la, Josh. Tu pourras pas t'en sortir comme ça, putain. Ok, on peut passer à autre chose. Putain! On plaisante pas! C'est pas juste! Non! Ça devait pas du tout se passer comme ça! Vous êtes une bande de sales brutes! Vous pouvez pas partir! Vous pouvez pas me laisser crever ici! Hein? C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai, de toute façon. Stop! Faut vraiment que tu la fermes, mec.
Ah, c'est un... Enfin, je veux dire, je sais même pas ce que tu peux dire, hein, parce que j'ai vraiment rien à regretter. Oh là là. Ok, on me ligote là, ok? Bouge pas, ouais, mec. Ouais, ouais, très bien, mais... Tu peux pas les attacher si tu gotes comme ça. Josh, sérieux? Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu, quand même, hein? Mais quand est-ce que tu vas la faire? Mais moi, j'irai, ok? Moi, j'irai, je peux plus bouger. Dès que putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Quand tu fais une prise de... Il a déjà dit ce genre de conneries avant? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Oh, hey, Chris. Tu peux faire une croix sur les petites culottes d'Ashley après lui avoir fait le coup de « je vais t'en coller une entre les yeux ». Elle est bien mieux avec Mike ici, de toute façon. Au moins, Mike, lui, il sait comment on traite les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Espèce de connard. Psst. Il faut pas leur tirer dans la tête. Je vais lui arracher la tête. Non, l'écoute pas. Laisse tomber. Hey, Mike. Mike. Quoi? Si on parlait de Jess, Mike. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Non. C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est si douce. J'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! De pute! Stop, stop! Arrête! Qu'est-ce que tu fous? Mais t'allais tirer! J'essayais juste de l'embrouiller. Je voulais lui faire peur. Histoire de lui rendre l'appareil. Bah ouais, mais merde, j'aurais pu le tuer! Calme. Ça va. Il va bien. Ça m'a pas plu de faire ça. Ouais. Là, au moins, il se tait. Tu devrais rentrer au chalet. Hein? Quoi? Quoi? Mais pourquoi? Je vais le surveiller jusqu'à demain matin. Et j'ai pas besoin que tu le massacres comme un taré. C'est pas juste. Je pensais que je te protégeais. Ouais. Bah, mission accomplie. Va te reposer. Mais c'est quoi le problème? Bon, allez, retourne au chalet. Vite. Mais... Vite!